Place à la culture, demandez le programme, c'est avec Jean-Baptiste Urbain. Programme cirque aujourd'hui, et pour commencer, on fait la roue, regardez. Je veux dire, on va parler beaucoup cirque, et ça, c'est le Cirque du Soleil. C'est pas celui que j'annonçais tout à l'heure dans les titres. Il y en a deux. Oui. Deux Québécois. Ça, on commence connu. Par le plus connu, oui. Plus commercial, peut-être. Magnifique, quand même. Alors, quelques chiffres, Xavier. On va pas, je vais pas vous abreuver de chiffres. Ça fait 30 ans que le Cirque du Soleil est né à Montréal, au Québec, en effet. Et il n'y a pas un Cirque du Soleil, il y en a un certain nombre, en fait. Il y a 8 spectacles qui tournent à travers le monde, plus un certain nombre de spectacles fixes. Il y en a un, bien sûr, à Montréal, à Las Vegas, à Hong Kong également. Et puis, le Cirque du Soleil, il y a plusieurs spectacles. Celui-ci, qui est à Paris en ce moment, s'appelle Kidam. C'est l'un des plus anciens. Il date de 1996. Lui, il n'est pas sous chapiteau. Il est dans ce qu'on appelle une aréna, c'est-à-dire une grande salle fixe. La salle fixe, c'est Paris-Bercy. 25 nationalités sur scène. Alors, il n'y a jamais vraiment d'histoire. Hein. C'est plutôt une ambiance Kidam qui tourne autour de l'ombre et de la lumière. Certains trouvent que ça manque un petit peu de charme. C'est vrai que c'est très huilé. C'est extrêmement spectaculaire, mais toujours efficace. Efficace et même, regardez, sensuel. Alors, une autre compagnie qui vient aussi du Québec et qui s'appelle Les Sept Doigts de la Main. Et il débarque en Europe. Voilà, c'est aussi une grande compagnie, mais qui est née il y a un petit peu moins longtemps, pour une tournée sur toute l'Europe. Elle commence cette semaine à Marseille. Leur nouveau spectacle s'appelle Cuisine et Confession. Kesako, une petite allusion à Cuisine et Dépendance, la pièce. C'est un spectacle alors, qui invite à regarder, à écouter, mais aussi à goûter. Le toucher, le goût et l'odorat sont sollicités. Car, comme son nom l'indique, Cuisine et confession, pas dépendance. C'est un spectacle qui tourne autour d'une immense cuisine. Vous allez voir, il y a aussi beaucoup de musique et les spectateurs sont vraiment invités à goûter. Il va y avoir une confection de recettes, de gâteaux à la banane. En fait, le spectacle tourne autour de la façon, les souvenirs que chacun des artistes a des recettes de la grand-mère. Enfin, j'espère que je vous mets l'eau à la bouche. Alors, Stéphane Stasi a tourné à Marseille pour vous. Regardez et écoutez. C'est un spectacle autobiographique, ça veut dire que les artistes vont partager un petit bout de leur vie avec nous, avec le public, et raconter à travers des souvenirs liés à la nourriture des histoires particulières. On prépare la bouffe, des fois avec la jonglerie, des fois pour exprimer telle ou telle émotion, telle ou telle histoire. Possession de cet espace de jeu, cet espace qui est quotidien, qu'on connaît tous, mais on essaie d'en faire autre chose, puis de raconter nos histoires, d'apprendre à vivre ensemble. C'est une vraie cuisine, ça veut dire que le four marche,
les plaques marche, le frigidaire marche. Nous, on l'utilise comme un nouveau compagnon de jeu, en fait. On va préparer la nourriture avec le public, on va faire un peu la cuisine, on va parler des mémoires de cuisine, on va aller parler des mémoires autour de la nourriture. Et puis, ce lieu qui rassemble à peu près tous les humains sur la planète, qui est l'endroit où on mange, on communique, on partage et on apprend des autres. Et puis, c'est un petit peu le point central de cette pièce. Voilà. On est loin du cirque traditionnel. Deux cirques, deux ambiances, ouais. Oui, c'est ce qu'on appelle le nouveau cirque. Donc pas d'animaux, pas de clowns non plus. Mm-hmm. Ça, c'est en ce moment à Marseille, ensuite à Paris, vous l'avez vu, et en Europe pendant plusieurs mois. Mm-hmm. Le Cirque du Soleil en ce moment également à Paris, Bercy, et puis en tournée. Et puis partout où vous nous regardiez, puisqu'il y a un Cirque du Soleil près de chez vous, on pourrait dire. Qui tourne en permanence. Il y a en tout 14-15 scènes différentes du Cirque du Soleil.